Allez, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les beaux gosses, puisqu'aujourd'hui bah, on va jouer à de la nouveauté, en principe, du moins sur console. Sur PC, c'est vrai que j'ai pas été vérifié. Peut-être est-il sorti sur PC depuis un petit moment, ça s'appelle Beyond Galaxy Land, c'est en pixel art. Ça a pas l'air mal, c'est la direction artistique qui m'a attiré, le jeu a pas l'air génial, il y a l'air d'avoir plusieurs gameplays, tout ça, bon. J'ai dit, allez, on va être curieux, on va le prendre, on va le tester. Et puis, bah, on va bien voir, alors nom de Dieu, putain, ça démarre à peine. C'est déjà le bordel, salut mon Oscar, salut mon Alf, voilà mon Alf qui, il dit même pas bonjour, il dégaine. Voilà, 10 abonnements, merci mon Alf. Salut Yann, salut Gianni, salut Julien. Darkwing, pendant ton cul. Bon Loïc, Trosty, merci pour le Prime, yes. Merci les gars, pensez à renouveler vos abonnements, c'est cool. Voilà, c'est pareil sur la chaîne secondaire. Si vous voyez ce replay, vous pouvez me soutenir si vous voulez dans l'onglet souscription. Voilà, pour 1€ symbolique par mois. Merci à tous les mecs, vous déchirez. Alors, salutche, ouais, mon Oscar, il est en haut, mon Oscar. Alors, voilà, Akned, Titouille, Kedester, Miss Sarah, Astéro Burger, Nigel, Arty, mon Golgoth. Comment il va, mon Golgoth? Quel temps t'as en Belgique? Nous, ça repart, là. L'été, il revient, là. Bon, il fait un peu moins chaud, quand même, mais... ouais, j'ai pas remis le t-shirt, j'ai remis la chemise, les mecs, là. Mon Jérôme, il est là, mon Jérôme. Comment tu vas? Salut, Dopamine. Remoalf, comment il va, mon Alf? Salut, Zourave. Noble Baron. Tony Redman, comment ça va, les mecs? Voilà, prenez le temps d'arriver. On va jouer sur Xbox One X. C'est vrai qu'on y joue de moins en moins à la Xbox One, entre guillemets, puisque même ces petits jeux indépendants, maintenant, bah, ils sont de plus en plus exclus. C'est-à-dire exclus Xbox Series ou PS5, alors qu'ils pourraient largement tourner sur Xbox One, PS4, mais certains éditeurs choisissent de le sortir maintenant en exclus uniquement sur Current Gen. Salut Grissom, salut Shotokan, bah ça va et toi? Ça va bien, il fait un petit peu chaud là, mais ça va, c'est plus... Les grosses chaleurs sont finies, donc ça va. Salut Nabetz. Ah mon Alf, alors attends, bouge pas, j'ouvre ton lien là. J'ouvre ton lien mon Alf là, le lien Steam. Vas-y, fais voir. J'ai même pas été voir combien il coûtait sur Xbox, on va aller voir. Sur Steam, il est à combien là? 9,59$ avec moins 20% là. Et 5$ à côté si on veut le soundtrack, voilà. Bon, on va dire 10 balles, voilà, on arrondit à 10 balles. Grosso modo, on va aller voir, là. 12 balles, tu dis, Alf, d'accord. Alors, pour nous forcer à changer de console, ouais. Ouais, je sais pas, ouais. Bah ouais, parce que l'écosystème est le même. Donc, je sais pas. Super, mon DG, et toi? Bah, ça va. Ça va, mon Golgoth? Voilà, non, ça va, tout va bien, les mecs. Alors, salut, KiwiDB. T'as vu la rumeur prochaine Xbox en 2026? Ouais, oh. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Donc ça voudrait dire... alors Kiwi Dimi, j'ai pas vu la rumeur, mais... donc PlayStation, là, qui dégaine avec sa PS5 Pro. Donc ce qui voudrait dire que la PS6 débarquerait, bah, ouais, elle aussi, finalement, 2026-27. Voilà. Même s'il y a un an d'écart, enfin, Xbox peuvent pas prendre le lead... Mais même si par exemple ils sortent la prochaine Xbox 6 mois avant la PS6 par exemple, ou même un an, est-ce que ça va changer grand chose, hein? Ah, il est là, monsieur Chris Actu! Comment tu vas, mon bichon? Tiens, la tienne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir sur Twitch. Les gars, si vous voulez suivre les actualités JV sur une petite chaîne sympa, eh ben allez voir l'ami Chris Actu sur. Sur YouTube, mets le lien de ta chaîne. Vas-y, mets le lien de ta chaîne, Chris. Vas-y, là. Hésite pas. C'est une génération qui n'a servi à rien, mais on est d'accord. Même Isara, franchement, oui, parce que... Bon, remaster. Bon, les jeux indés, on s'en fout, parce que, voilà, ils ont pas besoin de tant de puissance. Donc, limite, ça compte pas. Les AA, AAA, enfin, ceux qui sont vraiment indispensables sur cette génération... Ouais, ça va se compter sur les doigts des deux mains, hein, les gars. Salut, Aldo, ça. Yes, voilà, vas-y, Chris. Allez vous abonner à la chaîne de Chris, les gars. Voilà, il a mis le lien en commentaire. Allez le soutenir, les gars. Ouais, une petite chaîne d'infos, les gars.
pas prise de tête, nickel, dans la joie et la bonne humeur, comme ici, hein. Comme ici, voilà, tout pareil. Je viens de me faire un Mario Party 2, je me suis bien amusé. Ah bah oui, Mario Party 2, les trois Mario Party de la 64, ça vieillit pas. Bon, techniquement, ils ont vieilli, mais je veux dire, niveau fun et tout, ça vieillit pas, quoi. Yes, Cédric. Alors, c'est Ced, 10, Rick. Voilà, on va dire Cédric, ça va être plus simple. Merci pour le Prime. Je me réabonne avant d'aller voir Chris. Allez, c'est parti. Salut, Naotoshima. Alors, j'en monte un peu. Voilà, merci les gars pour vos primes, vos soutiens. Echo Warrior, salut Echo Warrior. Donc oui, bah écoute, on verra. Voilà, bah du coup, les mecs, si vous voulez des infos concernant la PS5 Pro, une future PS6 ou une future Xbox, bah allez voir la chaîne de Chris, les gars. Voilà, Monsieur Chris Actu. Les gars, vous serez informés, hein, voilà. Vous serez informés, nickel, dans la joie et la bonne humeur. Alors, Al, je tourne sur PC GTX 1060 i7 pour jouer en 1080 avec un PI5 pour être au gaming sur Ecolbox. Ça me suffit, pas de retracing. Ouais. Bah, là, regardez, je suis en train de jouer à... Merde, comment il s'appelle que mon Descartes m'a offert, là. Hogwarts Legacy, là, le Harry Potter, là. Bon, le jeu est beau. Le jeu est beau, voilà, y a pas de problème, là. Il tourne bien et tout, quoi, mais... Alors, il y a du retracing, voilà, dans Poudlard, là. Mais franchement, on sent pas les couilles, parce que je veux dire... T'enlèves le retracing, on est sur PS4, Xbox One, hein, franchement. Franchement, bon ok, t'as peut-être un meilleur framerate, mais sinon c'est pareil. Hein. Mon Bruno Osiris, moi je me suis fait super Bomberman. Ouais, mais ça c'est du classique, Jérôme, ça. Alors, Acned, j'ai moyen de récup une petite cathodique comme t'as derrière, ça vaut le coup pour jouer. Ou trop petit. Alors, les petites comme ça, Acned, là, voilà, genre, toi, là c'est une petite Thompson, mais elle a une image. Oh, les mecs, celle-là, elle a une image, les mecs. Mais incroyable, quand je branche la Neo Geo là-dessus, les mecs, mais c'est juste incroyable l'image. Donc, Acned, en fait, ça... ces petites télés là, alors surtout si vraiment tu sais c'est des petits modèles, t'as le son en mono. Bon bah pour la Master System et la NES, c'est parfait. Parce que les deux elles te crachent du mono de toute façon. Voilà, après, bon Mega Drive t'auras une image de ouf. Après ça dépend voilà, de la qualité du RGB. On va dire, ça, ces petites télés là, on va dire jusqu'aux 16 bits. Mais pour les 8 bits c'est vraiment idéal. Voilà, c'est mon avis hein, Acned hein. Tu vois j'ai la NES qui est là. Tu vois là, j'ai une multiprise Péritel derrière, la NES est branchée dessus. Donc en RCA, tu sais, avec une tête Péritel, tu vois. Et la Master qui est au-dessus, tu vois, en RGB. Il y a une image de ouf, hein. Mais une image de ouf malade, hein. Mon David, rétro style live, comment il va, ma biche? Salut, Bren Legacy. Je commence à économiser pour la PS7, je sens qu'elle va être à 3000 balles. Vous voyez ma collègue Néo, là? Je prendrai la PS7 avec deux manettes. J'ai échange collection Neo Geo contre PS7 et deux manettes. Salut Dimitri, Phil Roby, comment que ça va les gars? Alors, tant que je remonte. La PS6 peut-être pour 2028 pour un PEL. Oh putain, ouais. Ouais. Salut Mimic. Non mais, si Xbox tire en 2026, la PS4 Pro arrive maintenant. On va dire Noël 2024, voilà, grosso modo. Ça voudrait dire qu'elle a une durée de vie de 2 ans. Bon, considérant que PlayStation dégaine aussi en 2026... Bah, après, moi, j'ai envie de dire tout est possible, les mecs. Hein. Ouais. Alors, jamais de la vie Neo Geo contre PS6. Ah, non, mais on est d'accord, Grissom. Hein, on est d'accord. Alors, vas-y, on va lancer le jeu, les mecs. Donc, ouais, alors, les gars, je le sens pas trop. Hein. Ce Beyond the Galaxy Land, déjà, je sais plus qui c'est qui m'a dit, ouais, tu veux voir, le scénar est pas ouf. Je crois que c'est Herbert. Il a dit, tu vois, c'est pas ouf, le scénar est pas ouf. Moi, ce qui m'a intrigué, en fait, alors déjà, un, il est en pixel art, ok. Et deux, c'est la direction artistique, voilà. C'est les seuls trucs qui m'ont dit, allez, on va le prendre et on va voir ce que ça donne. Voilà, les gars, si c'est nul, hein, on a du stock, hein, on pourra changer. Tu te colles à l'écran avec une chaise pour jouer. Oh non, non, tu vois, j'ai mon petit pouf, là. Je me mets à, je peux pas, à 1m50 de la télé, c'est largement suffisant. Hein. C'est bon, hein. Salut le Zolt. J'ai maté le Hermanos 2 à Régal, surtout le teasing. Oh, on s'est bien marré à faire le teasing, ouais. Scal, un avis sur Samurai Spirit Zero. Ah bah ouais, mais douche froide à l'époque. Hein. Non, c'est pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Le Samurai Shodown 5 / 0 en Jap. Même le spécial, hein, voilà, c'est quasiment le même. J'ai pas aimé. Voilà, le 4 avait atteint la perfection. Il n'y avait pas besoin de faire un 5. Franchement. Donc, non, c'est complètement dispensable. Là, j'ai les deux. Hein. J'ai le 5 et le 5 spécial.
À un moment, je m'étais même, j'avais même hésité à me débarrasser du 5 spécial. J'en avais parlé avec Dams et Dams il m'a dit non, garde-le, tu vas le regretter. Puis là, j'ai le full set en fait. J'ai le full set US des Samurai Shodown, j'ai les 6. Donc, bon, allez, vas-y, je le garde. Voilà, mais pas convaincu les mecs. Hein. Dimitri en télécadonique, la marque Bang and Olufsen, c'est une tuerie. Ah ouais, je connais pas. Bah là, oui, ça me dit rien, je connais pas. Alors, ouais, Phil, ouais, bah c'est ce qu'on parlait tout à l'heure là, que Xbox prépare une nouvelle console a priori. Les joueurs pigeons deviendront-ils les dindons de la farce? Ah putain, hein. Tu sais, d'habitude, Chris, moi je joue toujours avec une génération de retard. Voilà, j'attends que ça passe, tu sais. Et puis, comment dire? Après, bah tu sais, les jeux ils décotent et tout. Donc, quand tu joues avec une génération de retard, après tu peux te faire plaisir pour 3 francs 6 sous. Mais le truc, c'est que là, je suis rapidement passé sur Series S. Un an et demi à peine après sa sortie. Bah pour la simple et bonne raison, le prix, c'est un truc de malade. Je l'ai chopé à, je sais plus, c'était 180 balles avec la boîte, je crois, sur Rakuten. En plus, c'était un gars qui me regarde, en plus, c'est le hasard, tu vois. Coucou à toi, hein. Tu vois, elle marche nickel, la série S. Mon David, yes, merci pour le Prime, David, c'est cool. Prime renouvelé, top. C'est cool. Je l'ai wishlisté, hein. On va voir s'il vaut le coup. Ouais, on va voir, les gars, on va voir. Alors, dernière claque, c'était la 3-6, ouais. Ah, la 3-6, putain. Bah, génération PS3 6, c'était la dernière vraie bonne génération. La PS4, ça allait aussi, il y avait des bons jeux, bien sûr. C'est là que ça a commencé à avoir pas mal de remasters, des trucs comme ça, tu vois. Bon, Xbox One, on la met un peu de côté. Mais là, c'est fadasse, hein, les gars. La génération Xbox Series PS5, c'est fadasse de ouf. Hein. Acrobat Jet, salut, comment que tu vas? Mon Herbert, c'est toi, mon Herbert, hein, tu m'as dit que c'était pas ouf le Beyond Galaxy Land, là. Je découvre, hein, les gars, j'y ai pas joué, je découvre. Bon, en tout cas, il tourne sur One X, hein, ça fait plaisir. Voilà, le jeu One X Series, hein, vous pouvez le mettre où vous voulez. Mon Fixo, Gears of War, dernière claque, ouais. C'était lequel, le 1, non? Pareil, je joue toujours une version de retard, hein, sauf là, j'ai une Series X. Sinon, je suis encore ma PS4. Ouais, voilà, ouais, bah. Moi, j'ai la PS4 que l'ami Cédric m'avait offert. Elle est très bien. Elle est très bien, et puis j'ai pas besoin de PS5, quoi. À part, bon, peut-être 2 ou 3 jeux. Voilà, Demon's Soul, Spider-Man, peut-être, tu vois. Mais pff, voilà, c'est pas indispensable de ouf, quoi. Seb, derrière des jeux qui te hype, t'as envie de faire Day One? Non. Non, le Day One, non. Ouais, alors des hypes, c'est un bien grand mot, mais par exemple, là, on a vu le remaster de Soul River 1 et 2. Soul River que j'avais fait sur Dreamcast. Le 2, du coup, qui était exclu PS2, j'ai jamais pu le faire. En plus, c'est Aspyr qui va l'éditer, donc c'est ceux qui ont fait la trilogie Tomb Raider. Donc normalement, si tout va bien, je devrais avoir le code. Donc ça, oui, ça m'intéresse. Après, voilà, enfin, je suis pas hypé plus que ça, mais oui, ça m'intéresse, je le ferai, quoi. Mais c'est les trucs qui me hype, bah là, le jeu qui me hypait cette année, encore avec des guillemets, c'était le Shadow of the Ninja. Hein. J'ai eu la douche froide, les mecs. Hein. Momo, comment il va, Momo? Moi, j'ai toujours 15 ans de retard. Bruno, reste sur PS3. / Xbox 360, les consoles ne valent rien, les jeux ne valent rien, et ça vieillit globalement pas trop mal. Et tu vas t'éclater de ouf parce que là t'as des jeux, t'as un paquet de chier de jeux à faire. Hein. Ouais. Salut Max Stone. Mimic, j'ai arrêté à la Wii U. Le fiston est sur Switch, plus PC, d'accord. Trop hypé sur le River, toute mon adolescence, ouais. Ouais, ça je pense qu'on va, on va l'avoir. Je demanderai le code, même moi il m'intéresse, hein, il m'intéresse. Ouais, ça va Momo, il fait encore un peu chaud là, mais ça va. Allez, lançons le jeu. Est-ce que ça va niveau son? Vous entendez suffisamment le jeu, les gars? Seul jeu récent que j'attends, Gears E-Days. Alors, c'est lequel celui-là? Ça fait partie des Gears of War. Moi, je suis pas trop fan de Gears of War. Hein. Je suis pas trop à la page des Gears. J'ai vu une vidéo du revival de Shinobi. Ça a vraiment l'air beau. Ouais, on verra, Mister. Bon, Chris. Hein. Bah, il y avait Golden Axe, Shinobi, quelques licences Sega qui. Qui sont censés revenir, on n'a pas de date encore, un Street of Rage aussi, donc on verra bien. Ouais, bah là, Soul River, on aura les 1 et 2 pour le même prix finalement, puis les fins en remaster, quoi. Le 1, Soul River, était sorti sur PS1, Dreamcast, très certainement PC. Est-ce que le 2 était sorti sur PC, les mecs? Parce que sur console, il était exclu PS2, c'est sûr, mais est-ce qu'il était sorti sur PC? Parce que moi, ce que je crois, c'est de ce que j'ai vu du trailer, ça sent les versions PC. Ça sent les versions PC qu'ils ont remasterisées et tout, quoi. Alors. Voilà, on voit pas grand-chose du début.
Ouais, ça me dit rien, Shotokan. Hein. Moi, pour moi, c'était PS2. Hein. C'est tout. Hein. Ah, ça va sortir. Tu parles des Soul River, Oscar? Ça va sortir sur Evercade? Ah, ouais, c'est cool ça. Gazidaire risque de tabasser. Ouais. C'est lequel celui-là là? C'est le prochain gear. On va retrouver les Locust et Marcus. Ah, oui. Ils avaient montré la bande-annonce. Ouais, on voyait Marcus se battre dans un appartement, je crois, de mémoire. Et on n'a pas vu le jeu en fait. Ils l'ont juste teasé quoi. J'avais zappé le nom en fait. Voilà. Ok, alors. Voilà, je dirige le bonhomme avec l'analogique. Putain, il y a de la latence, bordel. Donc la croix de direction, non, ça fait apparaître les des options. C'est vrai que c'est assez beau, hein, l'ADA, les mecs. Lieu inconnu, là, je saute. Salut moi, comment il va, moi? Salut mon Descartes. Il sort pas, hein, et clôture la saga des Soul River, ouais. Non, le Defiance, non. Mais le Defiance, il reste encore beau, les mecs, hein. Moi, je l'avais relancé, je crois que c'était l'an dernier, sur Xbox. Il reste beau, hein, le Defiance, hein. Je parle sur Xbox, hein, sur PS2, je sais pas. Ouais, bah moi j'adore le dernier Shadow Ninja. D'ailleurs, je suis en train de loin de CC en hard. 5ème niveau. Ah bah, GG à toi, Bren. Bah, content que tu l'apprécies, hein. Moi, j'aurais aimé l'apprécier, hein, bien sûr. Mais bon, moi, il me casse les couilles. Moi, il me pète les couilles. Gameplay, il me casse les couilles. Ah, au fait, les gars, tiens, regardez ce que j'ai reçu en fin de matinée. Voilà. Ouais, on parle de nouveautés, hein, voilà. Donc, ça y est, il est arrivé. Donc, ma review est finalisée. Donc, pour ceux qui sont membres Team Bolos ou Ragar Forever sur la chaîne principale, vous avez déjà la review dans l'onglet communauté, hein, si vous voulez. Et puis, tiens, les gars, sur la chaîne secondaire, je vais la mettre aussi, là. Je vais vous la mettre aussi sur la chaîne secondaire. Et la vidéo, je la mettrai, vendredi, hein, donc ça va pas tarder, hein. Voilà, on va pas traîner, hein. Voilà. Mais le jeu est bien, hein, les gars, le jeu est bien. Et non, je pense qu'on va le streamer. Donc demain, aujourd'hui, on fait Beyond Galaxy Land. Demain, on va faire Wild Bastard, je pense. Et comme ça, vendredi, il y a le test de TCL sur la chaîne et puis on va le streamer. Ouais, on va vérifier vite fait, Sarah. Attends. Je crois que la notice... franchement, j'ai feuilleté la notice, mais j'ai même pas fait gaffe. Mais je crois... Ah bah attends, si, regarde. Il y a les deux langues, là. Les deux langues. Mais de toute façon, dans la version finale... attends, bouge pas. Parce que je crois... Ouais, voilà. Une traduction française du manuel sera disponible dans la version finale du jeu. Voilà. C'est vrai que ce matin, quand j'ai fait la phase unboxing, j'ai pas prêté attention à ce détail. Mais voilà, parce que ça, c'est la version... version influenceur, hein, entre guillemets. Voilà, mais Fozil l'avait dit, hein, il y aura la notice française, les gars. Voilà. Donc ça, on va le streamer sur la Nomade vendredi, je pense. Comme ça, vous allez voir le jeu en action, et puis... Alors, le jeu n'effectue pas de sauvegarde automatique. Ah ouais, d'accord, faut passer par ses points de sauvegarde, d'accord. Salut Nana. Et puis comme ça, bah, vu que j'ai terminé le jeu, si vous avez des questions à me poser concernant le TCL, on verra ça vendredi sous les... Voilà. Et Fozy m'a confirmé, normalement, il fonctionne sur Nomade. Voilà. Je suis sur Xbox Series X, ouais. Bah ouais, c'est cool. Salut Smokeman. Tu avais une vidéo sur la PC Engine de prévu, arrive-t-elle bientôt? Alors, j'ai quelques vidéos sur la chaîne de PC Engine, c'est des jeux, quoi. Des reviews, des gameplays, des trucs comme ça, mais pas une vidéo sur la console en elle-même. J'en ai pas fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que la PC Engine, c'est une console que je connais assez peu. Je l'aime bien, hein, mais je connais assez peu. Je suis pas un expert PC Engine. Herbert, j'ai pris TCL, même si la DA me branche pas trop. C'est ce que je dis, en fait, dans ma review. Le jeu est bon, hein. Attends, si je devais mettre une note, on est sur un bon 16 sur 20, les mecs, hein. Pour le TCL, il n'y a pas de problème. Mais moi, pareil, graphiquement, j'ai un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal. Branche la lumière. C'est sombre. Ouais, bah, c'est le jeu qui est comme ça, tu vois. Oh, ça va pas rester comme ça longtemps, je pense. Ah, c'est ton anniv, Nana. Bah, bon anniv. Allez, voyons voir le jeu, ce qu'il dit. Alors, je crois qu'il y a des combats tour par tour, il y a des fast platforms, enfin il y a pas mal de gameplay dans ce Beyond Galaxy Land, et ça en général, les jeux à multi-gameplay, faut faire attention parce que ça veut plaire à tout le monde et au final ça plaît à personne. Donc on va voir, hein, là c'est vraiment de ce que j'ai vu du jeu, hein, là, on va y jouer au moins 45 minutes, 1 heure, à moins que ce soit vraiment de la daube. Ouais, c'est vraiment de la daube, on le jarte. Début du combat, ouais, alors c'est du tour par tour on dirait. Ok, on va voir. Ouais, voilà, ok. Alors, attaquer. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, hein. Alors, voilà, bouton A, d'accord. Bon, moi, les jeux combat tour par tour, en général, j'y joue plus, hein. Mais bon, j'ai dit pour celui-là, allez, on va faire...
On va faire une exception. D'accord, donc on peut bourriner le bouton A. Paré. D'accord, je sais pas si j'ai paré ou pas là. Contre-attaque. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a l'air quand même plus ou moins scripté. Ah ouais, il soigne là, d'accord. Ok. Alors, capacité. Fais voir si je fais capacité. En taille plongeante. 8 PC. Ok. En taille plongeante. Vas-y, fais voir ça. Ouais, faut que je soigne le... Enfin, pas que je soigne, faut que je... Je tue plutôt le... L'humain à côté, là. J'ai lu que mondialement, il y a une vague de piratage. C'est des sous-merdes, les gens, le mot est faible, ouais. Tu t'es fait pirater, là ? Quoi ? Alors, attaquer. Ouais, voilà, attends. Ah, je peux pas... Ah, si, voilà. Attends. Ok, allez, on va partir sur lui. Voilà, deuxième. Ah, je crois qu'il est mort, là. Même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il soigne, là? Pareil. Bon, c'est un tuto ou quoi, ce combat, là? Ou alors, on est obligé de crever? Je sais pas, c'est bizarre. Alors. Bah, fais voir, attends. Fin du tour. Attaquer, alors. Ok, vas-y, fais voir ça, là. Ah, ça y est, il est cané, lui, là. Voilà, ok, je vais peut-être pouvoir avoir le droïde là. Je suis sûr que la version CPC est meilleure. Plein de comptes que j'ai pu récupérer à part Facebook. Ah ouais? Putain, mon pauvre moi, merde. Ouais, en gros, là, faut bourriner, quoi. Voilà, on bourrine. Je l'aurais déjà drop. Attends, on va en voir un peu plus, Nigel, quand même. Contre-attaque, ok. Allez, on bourrine là. Ça y est, c'est bon, il est dead là. Ok. Oh non, la musique ça colle pas à l'action, on est d'accord. Hein. Ah, mon Riddick! Mon Riddick qui offre un abonnement à Nana! Tiens, mon Riddick. Alors, première victoire. Oh, on n'a pas été voir le prix, attends. On va aller voir le prix, les mecs. Donc, on a vu grosso modo 10-12 euros sur Steam. On va aller voir sur Xbox. Je sais pas si on va le voir sur Xbox. Je sais pas si le jeu est sorti. En tout cas, l'embargo c'était hier. Donc là on peut le streamer et tout, y a pas de problème. Je sais pas s'il est sorti ou pas, on va voir. Alors attends, voyons voir ça. Lancer le jeu, ouais. Ouais, 18 balles, donc c'est plus cher. Ouais, 18 balles. Donc par contre, donc c'est Xbox One, hein, Xbox One Series, les deux. Donc sur, enfin je sais pas s'il est sorti sur PlayStation, si c'est sur PlayStation, ça doit être le même prix, les gars. Alors, c'est marrant comme quoi il y a des jeux dès le départ, tu le sens pas, ouais. Bah moi je le sentais, ouais, je le sentais pas même avant de le lancer, hein. Mais bon, j'ai dit restons curieux, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, les gars. Hein, puis si on se fait chier, bah on met un autre jeu, hein. C'est pas, ça sera pas le premier qu'on jarte, hein. Voilà, ok, alors. Pourquoi? Ouais, bah tu sais Bruno, c'est, ouais, des fois il y a des embargos. Tu prends une clé, puis l'éditeur il dit oui, merci de pas faire de vidéo ou stream avant telle date. Bon bah... On respecte, hein, je veux dire, y a pas de problème. Quand le jeu est nouveau, ça se comprend. Mais alors, quand le jeu, par exemple, Mindsize... non, c'est pas Mindsize. Mais y a des jeux qui sont sortis, genre, 2-3 ans en arrière sur PC. Ils arrivent sur console. Ah non, t'as un embargo, t'as pas le droit de le streamer. Alors que t'as des gameplays partout sur YouTube. C'est n'importe quoi. Ça fait penser un peu à Valkyrie Profile, ouais, un peu plus... Ah oui, bah ouais. Là, on est loin d'un Valkyrie Profile, mais peut-être. Attends, on va essayer d'en voir un peu plus, quand même, les gars. Ne soyons pas hâtifs dans le jugement. Alors, activez l'ascenseur. RPG, pas pour moi, j'aime pas. Non, mais moi non plus, Alph. Hein, tu sais, les trucs tour par tour, c'est pas... C'est plus trop ma cam, mais bon. C'est... Là, j'y joue pour la DA. Hein. Voilà, on va allumer la lumière. Parce que franchement, de ce que j'ai vu du jeu, du trailer et tout, ça avait l'air beau quand même. Hein. Ça manque de boobs, ton truc. Ah bah, on joue pas à Dead or Alive Beach Volley ici. Alors, époque actuelle sur Terre. Voilà, très bien. Voyons voir ça. Pendant ton cul. Ouais, ouais, Soul River, ouais. Xbox One et Series, normalement, ouais. Voilà, le jeu démarre là. Loïc, il offre un abonnement à Miss Sarah. C'est sympa. Merci, mon Loïc. C'est cool. Pour le moment, ça me dit rien, mais voyons. Ouais, attendons d'en voir un peu plus, Golgoth. Hein. Moi, je suis pas emballé, mais bon. Ouais, on va pas juger sur un combat au tour par tour, les gars.
Alors, ok. Bon, en fait, voilà, c'est là que le jeu va démarrer finalement. Ok. Par contre, j'aime bien la DA, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Le truc un peu genre pixelisé avec la lumière et tout, là, franchement, c'est cool. C'est pas du Stellar Blade, effectivement. Ah oui, non, mais c'est pas du tout le même jeu. Alors, ok, procédons. Mais après, j'ai vu que c'était un peu genre peut-être, je dis bien peut-être, hein, à voir, hein, mais hein, tu sais, un peu style, tu sais, les jeux genre Flashback, Another World, tu vois, ce genre de truc. Donc, on va voir. On va voir. Ok, alors. Ouais, mais ok. Allez, vas-y, essaye de te la serrer là. T'as rencontré Boom Boom, ouais, je veux voir Boom Boom. Ok, alors c'est qui Boom Boom? Ok. Sony a montré Ghost of Yokai, standalone ou suite de Ghost of Tsushima. Ouais, j'ai entendu parler de ça, c'est bah, après. J'ai pas regardé, hein, franchement. M'en fous. Pour le... Les gars, on a un pro de l'actualité avec nous là. Monsieur Chris Actu, demandez-lui. Moi, l'actualité, je regarde uniquement ce qui m'intéresse. Ouais, Pic Mickey, cette blue, il m'a fait AMP pour me montrer ça, ouais. Oh, c'est pareil, ça m'intéresse moyen. Là, le seul truc que j'ai retenu, c'est le Soul River. Voilà, ça m'a. Oui, Soul River, ça m'intéresse. Voilà. Bah, surtout que je comptais acheter le 2, hein. Voilà, bah, avec ta PS2, Bruno, là, j'ai dit, ah, bah tiens, je vais peut-être choper Soul River 2 en PAL, en PS2, mais bon, franchement, si je chope la compile. Voilà, alors moi, pour la collecte, je le vois passer à pas cher, puis voilà. Bon, Guibrouche! Donc tu vas. La suite. Ah c'est la suite de Ghost, ouais. Le jeu que j'attends le plus sur PS1, quoi. Ok, alors, ouais, les vieux roupies ici là. Ok, procédons. J'aime bien la DA, il a un cachet le jeu là. Ah non, c'est qui ça? Ah non, c'est la vieille, ok. Ok. Ah, il est réveillé. Ok. Ouais, c'est un remaster. Mais moi je l'ai fait à l'époque, je l'ai pas refait depuis. Et puis le 2, je l'ai pas fait, donc. Limite, ça a été un plaisir de se remettre dedans, tu vois. Boum boum, arrête pas de me mordre les chevilles. Alors, c'est qui Boum boum? C'est un chat, non? Ok. Je fais ce que je peux. Alors, j'ai regardé chez IGN. Et pas un com positif. Tout le monde frustré de voir qu'il n'y avait rien pour la PS5 Pro. Ouais, voilà, mais la PS5 Pro, ils vont la sortir. Mais à quoi elle va servir, quoi? Voilà. Soul River, c'était tellement rigide le gameplay. Ah, ça a vieilli, hein. Ça a vieilli. Moi, je peux jouer avec ce genre de trucs aujourd'hui, ça me gêne pas. C'est, je, voilà, ça, moi, ça me gêne pas, moi. Pas de problème pour moi. Bon, alors, mais putain, mais ça s'éternise les dialogues là. Rosie est dehors, elle veut rencontrer Boum Boum. Bah, putain, mais montrez-le nous le Boum Boum là, bordel là. Alors, un chat ou un mec taré? Clément, salut Clément! Toi, tu es parfait. Alors. Bon, alors on fait quoi? On va où là? Ouais, j'avais noté les effets de lumière là. Qui avaient l'air intéressant. Viens, boum boum. Ok. On dirait presque un jeu 32X qu'on a. On a upscalé pour. Avec des graphismes modernes. Boum boum, obtenu. Alors c'est quoi? C'est une puce, on l'a même pas vu là. Alors, d'où la déception, la seule vraie annonce d'un jeu récent, c'est le Ghost of Tsushima 2. Ouais. Allez, sortir. Ok, c'est parti. Bon, c'est un petit peu longué leur jeu là. Bah sauvegarder, vas-y là. En attendant, tu avais raison, ça va être l'eau l'année. Et pas terminé, mais ça sera sûrement mon Gotti. Oh bah écoute, Descartes, hein, si tu t'amuses avec. Hein. Moi, il sera pas Gotti. Pour moi, il a pas la carrure d'un Gotti. Je vais le mettre dans mes tops, parce que j'ai bien aimé, voilà, pas de problème. Mais il sera, pour moi, il sera pas GOTY. Voilà, d'ailleurs, j'en ai pas, hein. GOTY double A, triple A, j'en ai pas. Pour le moment, j'en ai pas. Enfin, de ce que j'ai joué, hein. Voilà. Ah, ça y est, tu l'as fini, là? T'as adoré? Bah, c'est cool, Descartes. Ça fait plaisir que t'aies passé un bon moment dessus, quoi. Alors. J'ai ramené Boum Boum. Ah, c'est un hamster. La chaussure de Rosie, tiens, la meuf est plus là. Seb, ouais, Astrobot, Black Myth ou Sparking Zero, Gotti. Ouais, ça, oui, peut-être, ouais. Mais étant donné que je vais jouer à aucun des trois, si t'aimes pas les dialogues, tu vas encore en manger, ouais, putain. Allez, Boum Boum, il s'est barré. Ok. Là, on a la lune derrière. Il est où, Boum Boum, là? Ah, bah attends, je pense qu'il est parti à la recherche de la fille. L'ambiance est cool, hein.
L'ambiance a l'air cool. Gros jeu qui va sortir. Non, il est décalé, Max Stone. Je crois qu'il est décalé. C'est quand? C'est en novembre qu'il sort? Je sais plus. Parce qu'il a, il a tellement été décalé, Stalker 2. Mais après, il m'intéresse pas, moi. Stalker 2, il m'intéresse pas. Il va arriver Game Pass, mais franchement, il m'intéresse pas. Alors. Oh bah, Riddick, ton Gothic, toi, ça va être le Astrobot là. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont le mettre Gothic. À mon avis, le Gothic cette année, ça va se jouer entre Astrobot et Black Myth. Ouais, à mon avis, hein. Boum boum, rebelle récupéré. Ok, très bien. Alors, on va retourner là-bas. Chercher Rosie. Ok. Ah, il sort le 20, d'accord. Ouais, j'avais oublié. J'avais cru qu'il était encore décalé à l'année prochaine, tu vois. Oscar, le Gothic, c'est ta vidéo, ouais. Là, ma vidéo de Promotector, les mecs. Voilà, là, ouais, il y a du level. Alors, Starfield. Ah non, toujours pas. Par contre, je sais que Max, apparemment, il kiffe bien, lui, est dessus. Là. Apparemment, il adore Starfield. Ouais, il y a un jeu Karate Kid, ouais. Un peu genre Scott Pilgrim, tu sais, avec le Turtle Shredder's Revenge, un peu de ce genre-là. Oh, moi, il m'attire pas spécialement. Mais bon, si je peux avoir un code, pourquoi pas, on essaiera, mais pas convaincu. Wukong en Gothic serait chelou, le game design est vraiment pas parfait. Ouais. Je sais pas, j'ai pas joué, hein, donc j'ai pas d'avis, moi. Apparemment, le Zelda qui sort demain... Ah oui, c'est vrai, il y a Zelda, ouais, je l'avais oublié, celui-là. Même si c'est un petit jeu, ouais, lui, il a peut-être ses chances aussi, ouais. Alors, Clément. Ah bah oui, bah là, pour Los Retro Sermanos concernant GHM, maintenant, c'est clair, tu vois. Bon, alors, c'est qui, lui, là? C'est assez spécial comme jeu, hein. Alors, je peux toujours pas bouger, là. Ok. Ah, ok, moi, je suis une espèce de fantôme, là. Merde, attends, bouge pas. Je vais mettre ma caméra ici, là. Voilà, parce qu'apparemment, il y a un truc de l'autre côté, là. Courez, voilà, ok, courez. Il va me griller, là. Alors, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dans une grotte, là. Ouais, ouais, Nintendo, il sort un Zelda. Mais du coup, c'est un Zelda où tu joues Zelda. Hein, c'est peut-être même le premier, d'ailleurs. Mon type au top, avis à chaud, mon beau gosse. Oh, c'est pas pour moi. C'est bien ce qui me semblait en début de stream. Bon, enfin, là, franchement, eh, ça fait... ouais, on est 30 minutes, là. T'enlèves 10 minutes de blabla, ça fait 20 minutes qu'on joue, là. 20 grosses minutes. Il s'est pas passé grand-chose, hein, à part un combat au tour par tour. Ça décolle pas trop, ce jeu-là. Alors. Ah non, Shadow of Ninja, non. Non, non. Dommage. Hein. Bon, ok, allez, vas-y, arrête de parler, là, puis il fait quelque chose, là, parce que là, on s'emmerde, là. Ils peuvent pas retourner aux Zelda classiques, mais terriblement efficaces, ouais. Mais oui, putain, allez, un truc simple, en 2D, là, vu de haut, là. Voilà, putain. Mais grave, quoi. Bon alors, le Gothic de sa live, c'est Final Fight 2 Super Nintendo et le 3 dans une autre vie. Eh, tu sais quoi, mon David? Il y a la review qui arrive de Final Fight 2 et je l'ai même 1CC. T'imagines? Je suis même allé jusqu'au 1CC, bordel. Voilà. Salut Vince! Alors, même un Zelda 2D, je suis preneur. Ah bah ouais, non mais là, ouais. Regarde, surtout avec les pixel art qu'ils peuvent nous faire maintenant, aujourd'hui, là. Nintendo, ils pourraient faire un truc d'ouf. Ça manque de couilles, cette génération. Bah oui, mais grave. Alors, bon, est-ce que ça va décoller, là, bordel, là? Il y a un portail, là. Ça brille tellement. Ok, procédons. OneCC, l'amour, la vraie. Voilà. Zelda, c'est plus pour moi, ouais. Bah, moi, je... Attends, le... bah si j'avais fait le Breath of the Wild, j'ai pas aimé. Je le trouve surcoté, hein. Le Breath of the Wild, c'est un bon jeu, mais je le trouve surcoté de ouf. Du coup, le Kingdom, là, j'ai pas joué. Et franchement, je m'en fous, il m'intéresse pas. Salut Delax. Ça décolle au bout de 5 heures de jeu, DG. une heure avant la fin, quoi. Max Stone, un Final Fight en 3D. Tu sais que ça existe, hein. Il est sur... PS2 et Xbox.
Final Fight, comment il s'appelle? C'est Final Fight, je sais plus quoi, il a un nom derrière, j'ai oublié. Je crois, attends. C'est Final Fight Streetwise, je crois, un truc comme ça. Je l'ai pas. Je l'ai pas, j'ai jamais joué, il paraît que c'est pas ouf. Je veux bien le croire, mais bon. T'as déjà, il y a aussi Beyond Shadowgate qui est sorti, ouais. Parlez, oui, on en a parlé ça, Bruno, ouais. Ouais, ouais. C'est sur PC, je crois, ça. Hein. On n'a plus l'effectif pour faire de la full 2D, des chances que. On voit plus de jeux Nintendo en vrai 2D. Ouais, c'est vrai, Brain Legacy, c'est dommage. Hein. Ça vaut cher, ça coûte cher de faire de la 2D. Mais regarde, t'as bien des petites teams indépendantes qui arrivent à nous faire des jeux en 2D et puis des trucs bien. Des trucs bien, des trucs propres. Donc pourquoi pas Nintendo, putain. Ils avaient des cadors pour faire la 2D, là. Mm. Salut Alex. Une pub de lubrifiant dans ton live. Arrête. Bah bienvenue à toi Alex, voilà, avec le lubrifiant. Ah bah je choisis pas, hein, les gars, c'est pas moi qui choisis. Next Gen, devoir choisir entre qualité et fluidité. On serait pas foutu de nous, hein. Bah ouais. Bon, de toute façon, moi, avec mes yeux de merde et ma vieille télé, pour moi le choix il est vite fait, c'est toujours performance. Hein. Streetwise, voilà, c'est ça, Maxton, c'est ça. J'ai jamais joué à celui-là, il paraît que c'est pas ouf. Bon, on l'essaiera peut-être, tiens, on émule. Mario Wonder, ouais, 2D, 3D, ouais. Ouais, bah oui, il a une Real 3D, mais il se joue en 2D, ouais. Mais après, enfin, Mario Wonder, moi, on a joué 2 heures avec Biggie. Putain, c'est... C'est mes zéro... zéro feeling, les mecs, hein. Je dois vous laisser la bise. Ouais, ça marche, mon Descard. Merci à toi, bise à toi. Avec le lubrifiant des GX, c'est plus fluide. Salut, Canon. Salem. Comment tu vas? Ils sont tellement originaux et amusants. Allez, vas-y. Là. Oh, mais ça, putain, mais il décolle pas ce jeu. C'est un truc de malade. En plus, ton jeu est chiant, mais grave. L'apéro m'appelle. Je te laisse. À bientôt. Ouais, ça marche, mon Chris. Bis à toi. Merci d'être passé là. Bon, alors. Je crois que c'était pas le jeu idéal à streamer, les mecs. Hein? Est-ce qu'à la fin du stream, on va être capable de dire si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu? Ok, procédons. Bon, voilà, enfin, ouais. On reste ouvert à un culture vidéoludique, les gars. Le héros me fait penser au gars des mondes engloutis, là. Ah ouais, ouais, à Spartacus, ouais. Ouais, ouais. Alors. Ok, ouais, ok. Donc là, on a passé le portail, on n'est pas mort. Ouais, ben, je vous crois pas. Ok. On peut le dire maintenant, déjà. Bah, vas-y, hein, c'est de la merde, de lingue, c'est de la merde. Là, je veux pas me prononcer, franchement, on n'a rien vu du jeu presque. Bonne soirée, G, essaye de pas t'endormir en plein stream avec ce titre. Ça marche, mon David, bis à toi. Bonne soirée, un Batman Forever avec des patates de forain et des bruits de tronçonneuse, ouais, putain. Faudrait trop que j'essaye la version PC. Mais je l'ai vu, parce qu'on m'a conseillé la version PC qui était la version ultime. J'ai regardé un gameplay, ça a l'air trop bien. Mais maintenant, enfin, jouer à un jeu de PC sorti en 95-16, c'est chaud, quoi. Enfin, le trouver une version compatible, quoi. C'est chaud, quoi. Mais j'aimerais bien l'essayer, ouais, sur PC, ouais. Ah bah non, mais Jérôme, oui, il va finir à la poubelle, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Là, de ce que je vois là, j'ai pas envie de le continuer, mais bon. Beyond Galaxy Land, Capital Planet, ok. L'intro la plus longue de l'histoire, ouais. Ouais, bon, je sais pas si on est toujours dans l'intro ou si le jeu a commencé, c'est ça le problème. Bon, on va te faire descendre. Ok, allez, vas-y, il serait temps, là. Vas-y, bordel, là. Canon, ouais, sauf erreur de ma part. T'as pas fait un saga, Last Blade? Non. Last Blade, c'est vrai, j'ai pas touché. Alors, Neo Pocket, je l'ai plus. Je l'avais en Jap, puis je l'avais revendu pour m'acheter un PAL que j'ai jamais acheté. Donc, du coup, je l'ai plus sur Neo Pocket. Last Blade, donc Last Blade 1 et 2, par contre, je les ai bien. Hein, ils sont en US, ils sont là. On avait prévu de faire des vidéos communes avec Gemu. Il y a plusieurs années, puis ça s'est jamais fait. Mais bon, ouais, non, mais j'y viendrai tôt ou tard au Last Blade, hein, de toute façon. J'ai tous les Batman micro sur Retrobat. Oh putain, mais ouais, Guibrouche, bah oui. Ça, j'ai pas pensé à te demander ça. Ah bah ouais. Oh putain, si tu peux me préparer un... Ah mais ouais, mais si tu peux me préparer la version PC de Batman Forever en click and play, oh là là, ça serait trop bien. Ah ouais, j'y ai pas pensé, putain. Va falloir qu'on refasse un stream rétro, là. Parce que là, on a fait les Robocop, on a fait Contra, Castlevania, faut trouver un... Les Rick Dangerous, on les a fait aussi. Faut que je réfléchisse à... Quelle autre licence on peut faire en jeu micro.
Je te prépare ça, ça va faire 1 ou 2 gigas. Ouais, ça marche, Guibrouche. Bah, t'inquiète pas, je vais essayer de les récup quand même. Après, bah, une attaque commence après 45 minutes de cinématique. Arrête! Le premier, pas le premier! Je l'ai fait le premier. J'avais adoré d'ailleurs. Il n'y a pas 45 minutes au début là. On l'a fait, Ghouls and Ghost. On l'a fait, mon Typotop. À Outrun. Ah ouais, à Outrun, pas con. Ah, pas con, Bruno, ouais. Ah ben, hey, mon Guibrouche, si tu peux me préparer un pack à Outrun. Ah ouais, pas con, pas con. Allez. Puis limite, on se fait ça semaine prochaine, les mecs. Enfin, si Guibrouche, tu m'as préparé ça, hein, vas-y, tu prends ton temps, Guibrouche. Hein. Mais ouais, allez. Ouais, je suis chaud, là, pour voir les versions micro d'Outrun, ouais. Salut Star Fox. S'il y en a suffisamment, s'il y en a que 2 ou 3, c'est pas intéressant, tu vois. Faut qu'il y en ait 4-5, quoi, au moins, tu vois. Batman. Ouais, bah oui, bah je l'ai, Jérôme, le Batman Return, je l'aime pas trop sur Super NES. Je l'aime pas, parce que le premier niveau, il est beat'em all, il est cool, mais alors le deuxième, après, dans la maison en feu, il y a le grappin, c'est chiant, quoi. Ikari Warrior, ouais. Meilleur, et la version Amstrad CPC, même meilleur. Alors, la version NES, elle est dégueulasse. Enfin, moi, je trouve, hein. J'ai même préféré la version Atari 7800, hein, c'est pour te dire. Le jeu de Vincent Lagaffe. Ah, Mokhtar, on l'a fait, Mokhtar. On l'a déjà fait, Mokhtar. Il y a le replay sur la chaîne secondaire, les gars. Bon, est-ce que ça décolle, ce jeu, putain, là? Parce que là, c'est blablabla. Alors. Ouais, c'est Mokhtar. On l'a fait, Mokhtar, déjà. Mokhtar slash Titus the Fox. Ouais. Le big deal, ouais. Est-ce qu'il y a eu un jeu vidéo Big Deal? Est-ce que Microïds nous a fait une merde qui s'appelle Big Deal sur PS2? Ça doit bien exister. Focus un peu déjà. Ouais, je suis pas focus du tout. Ouais. Alors. Bon, les gars, je vais skipper les dialogues, hein, parce que là, j'en peux plus. Hein. Franchement, j'en peux plus, quoi. Vas-y, on veut voir le jeu, bordel. On veut le voir bouger, la merde, là. C'est pas un point and click, le bordel, merde. Bon, alors. J'ai téléchargé Batman Arkham City en GOG, hâte de le faire. Oh, il est bien. Mais alors, tout le monde dit que le City, c'est le meilleur, je suis pas d'accord. Il est bien, hein, le City, il est bien. Mais moi, en fait, mon préféré, c'est le vilain petit canard, c'est le Origins. Et l'Origins, c'est génial. Le premier Asylum, il est exceptionnel. Le Arkham Knight, c'est peut-être celui que j'ai moins aimé. Mais ça reste une bombe aussi, hein. Non, ça déconne. C'est vrai, Herbert? Oh la vache. Alors c'est fait enculer, en fait. C'est fait enculer. Dans la vie Ormanos, j'ai vu le gars avec le Metal Slug Mega Drive. Est-ce que tu as joué? Ah non, j'y ai pas joué, non. Ah, c'est vrai, tu as joué, Herbert, toi. T'as joué combien de temps, toi, à Beyond Galaxy, là? Choper Gunforce sur Super Famicom, moyen, ouais. Alors Gunforce, mon Jérôme, bah Gunforce. Attends. Gunforce, si je dis pas de conneries, c'est un peu l'ancêtre de Metal Slug, je crois. Dommage que Faikan n'émule pas la PS2. Ah bah oui, carrément, ouais. Un stream Final Fight avec Zach. Ah bah ouais, mais moi j'aurais été chaud, hein. Mais ouais, y a pas la PS2 sur Fight 4, ouais. Salut Seb. C'est quoi ce jeu tout speed? Ah non, il me casse les couilles, le jeu, là. Bon, allez. Ok, ah ça, est-ce que ça... Les quêtes, ok. Vous pouvez désarmer sur en activant le menu des quêtes, ok. Quête 1, faire rien sur le radar, ok, très bien. En parlant des personnages, machin, très bien. Alors, maintenez n'importe quelle direction, afficher les objectifs. Alors, empruntez l'ascenseur pour atteindre la passerelle céleste, putain. Ok, très bien. Ah, on a un checkpoint ici. Voilà, statue restaurée, sauvegardée. D'accord. En plus, faut faire les sauvegardes manuelles, quoi. Il y a même pas de sauvegarde auto, quoi. Ok, alors. Je fais un speedrun, t'as vu, Reflex, ouais. Donc tu vas, Reflex, là. Alors, pas joué, j'ai vu un stream de Docteur à chaque 1h30, blabla, m'a écrit, ouais. Non, mais on n'est pas dedans, hein, on n'est pas dedans du tout, c'est vrai. Activé, allez, c'est parti. Ouais, franchement, ouais, c'est un point and click qui dit pas son nom, quoi. Ouais, ça va, ça roule, Reflex, ouais. Après, c'est beau, hein, regardez la DA, là. Ah ouais, regardez que l'espèce de métro et tout. Franchement, c'est pas mal, mais le jeu, il est bidon, les mecs, hein. Il se passe rien, enfin c'est un truc de ouf, quoi. Bon, j'ai faim, j'suis toujours faim, vous êtes mangeable, ouais. Mais ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est que ces dialogues de merde? T'avais raison, Herbert, hein. Voilà, bah, de toute façon, voilà, si tu le dis, moi je te faisais confiance.
J'ai dit, allez, on va quand même essayer, tu vois. Bon, j'y vais. Comment il va, mon JB? Pas hypé par le jeu. Non, mais je crois que personne est hypé par le jeu, hein, Maxton. Personne l'est, hein, t'inquiète. C'est quoi, gameplay différent dans ce jeu? Bah, tout à l'heure, il y avait un combat tour par tour. Je crois qu'il y a des petites phases plateforme aussi. Voilà, à voir, mais bon. Extraterrestre sceptique, ouais, machin, ouais, ok. Ok, très bien. Non, on n'a pas perdu grand-chose, ce supplice, ouais. Bon, si vous voulez, on arrête, hein. Si vous voulez, on arrête, on discute. Ou on met un autre jeu, je sais pas. Alors, est-ce que je peux descendre, là? Donc ça marche, là. Ah non, mais moi, je le désinstalle, c'est clair, hein. Non. Tu trouves encore des jeux consoles dans les souks? Moi, je fais pas les souks, c'est MacDish qui les fait. Et puis, quelques potes à Tunis, y a de moins en moins de trucs, hein. Et les prix sont de plus en plus chers. Ces couillons de Tunisiens, ils se basent sur des prix eBay. Donc, bilan, bah, ça se vend pas. Ou alors, vraiment, tu sais, tu mets un truc qui est méga rare, quoi. Et puis, ils vont te mettre ça le prix du SMIC, ici. Et il y a quelques mecs qui peuvent acheter, mais enfin, c'est... Voilà. Ça restera assez underground, quoi. Voilà, mais sinon, non, potentiellement, il y a de moins en moins de trucs qui tournent, quoi. Moins en moins de trucs qui tournent, et... ils se tournent plus vers la nouveauté, quoi. Les Tunisiens, j'ai l'impression, là, ils... Voilà, PS4, PS5, ils sont plus comme ça, tu vois. Enfin, pour ceux qui veulent collectionner, je parle, hein. Voilà, parce qu'en fait, le joueur tunisien, lui, il joue pas sur console, il joue sur PC. Il va investir dans un PC... Une bonne carte graphique et puis il va tout tipiaque. Voilà, on tipiaque tout ici. La PS5 coûte combien en Tunisie? Alors attends, je l'ai vu, Shotokan. Bon, on va arrêter les mecs, hein. Moi il me saoule. On va discuter un peu les mecs. Ok. Bon allez, vas-y, ça dégage. Voilà, attends, on va le désinstaller carrément. Moi je veux pas jouer à ça, me casse les couilles. Bon bah ouais, bah au moins... Je voulais en voir plus sur la direction artistique, même pas, hein. Même pas. C'est où là? Attends, Beyond machin là, il est où là? Ah voilà, il est là. Bon allez hop. Allez les gars, c'est parti, désinstaller, hop. Bon allez hop, hein, à faire classer, au revoir. Fera de la place sur la One X. Grissom, à plus les gars. Bise à l'œil, ouais, ça marche. Alors on va éteindre la console, attends. Je vais éteindre les mecs. À moins qu'on ait un bon jeu, attends. Parce que là sur la One X, vu qu'elle fait un Tera, je l'ai bien blindé là. Alors attends, ouais, bah le Aero c'est le même là, Bad Boy, Bleed. Y a plein de jeux que j'ai pas essayé encore là. Plein de jeux qu'on m'a offert et tout, j'ai pas eu le temps d'essayer encore. Ah oui, j'ai le Duke Nukem, enfin tous les jeux en CD, enfin à tous. J'en ai installé une bonne partie là. Gunborg, ah oui, bah celui-là je l'ai pas essayé encore. Le Grime il est bien, hein. Si vous voulez un bon Metroidvania sous like, il est pas mal le Grime, hein. Ça je vous le recommande quoi. Oh vas-y, on va couper là. Chasme. Ouais, je l'ai pas lancé, Chasme, encore. Androdounos, ouais. Ouais, il est bien, Androdounos, ouais. Ouais. Je sais pas... Non, je crois que c'est... non, c'est... attends, je sais pas si c'est Chasme, The Rift. Attends, on va vérifier. Je crois que c'est Chasme, le Metroidvania, parce qu'il y en a un que c'est un Metroidvania. Attends. Ah bah si, c'est The Rift. Ouais, il y a le Rider, ouais, je l'ai essayé. Bah c'est un jeu Super Famicom, le Rider, ouais. Chasme, attends, on va le lancer vite fait, là. Il me semblait que c'était un Metroidvania là. C'est un FPS celui-là? Je confonds peut-être avec un autre jeu alors. Les mecs, ils avaient au tiers-monde, ils vendent ça comme s'ils étaient au stade. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah c'est ça, ouais. Ils en ont rien à foutre, hein. Ouais. Alors, Oscar, Grim, très très. Alors bon. Ouais, il est bien, ouais, j'ai bien aimé Grim. Ouais, il est cool. Il y a le bon coin là, et quand tu dis vente d'occasion. Ouais, il y a. Merde, comment ça s'appelle? Oh merde, attends, j'ai oublié le nom. Tayara, je crois que c'est Tayara. Tayara, ça s'appelle. Tayara, en arabe, ça veut dire avion. Voilà. Ah, c'est un autre chasme, d'accord. Je croyais que c'était le Metroidvania, là. Nouvelle partie, niveau bonus. Ah ouais, effectivement. C'est du... Ah oui, c'est vraiment très old school, là. Attends, on va passer vite fait, blablabla. Allez, on lance le gameplay. Aussi dur. Peut-être pas aussi dur. Peut-être pas aussi dur, Miss Sarah, mais aussi exigeant, oui. D'accord, c'est vraiment old school, hein, putain. Ok, alors attends, faut que j'inverse la vue. Ah, c'est très old school, ça. Alors attends, commande. Voilà, c'est ça. Ouais, on va faire on, là. Il y a, voilà, 8 ergs. Chasme tout court et chasme The Rift. D'accord. Bah, faites bien de le préciser, les mecs. Du coup, j'ai confondu.
Donc du coup, Chasm The Rift, celui qu'on est en train de jouer, c'est le FPS old school. Voilà, d'accord. Je croyais que c'était Metroidvania. Putain, mais voilà du jeu de beau gosse, t'as vu? Du bon vieux pixel qui tâche, là, mon type, là. Alors, c'est qu'il faut aller, là. Pour ouvrir ceci, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une clé qui traîne? Attends, on voit pas grand-chose dans ce jeu, hein. Je vais monter un peu le son, j'entends rien. Pas de musique métal dans le jeu, là. Bah, apparemment, non. D'accord, je saute avec le A. Ok, alors. Ok. Il y a une carte ou quoi, t'en feras, là? Ah, voilà, ok, alors. Ok, bon, là, je passe pas. Derrière, là. Heureusement qu'il y a la map. Est-ce que je peux rentrer dans cette maison? Oui, visiblement. Ah, voilà. Voilà, la clé, elle est là. Il y a un petit côté Half-Life, là, on dirait, je sais pas. A voir. Pas besoin. Bah, je l'ai la clé là. Attends. Pas besoin de clé pour ouvrir ceci, c'est quoi ce bordel? Ah, faut peut-être tirer là-dedans là. Voilà, très bien. Ah non, il n'y a pas de kick. Oh, ça fait vachement quick, hein. Ok. Ah ouais, c'est quick les mecs, hein. Ah bah ouais, même les bonus, regardez là. C'est quick les mecs, hein. Là, franchement, on dirait grave quick. Du coup, ah oui, alors attends, excuse-moi, Shotokan, oui. Alors attends, la dernière fois que j'ai vu une PS5, c'était à Best Buy. Attends, combien il la vendait? Oh, mais là, ça date. Oh, c'était il y a quand? Oh, il y a peut-être il y a un an. Combien il la vendait, je crois? Ah, attends, il vendait la PS5, donc en boîte, hein, elle était neuve, hein. Il y avait un jeu Assassin's Creed, je sais plus lequel. je crois qu'il la vendait 3200 dinars. Attends, je vais te dire combien que ça fait. Grosso modo, hein. Ouais, 946 euros, quoi. Voilà, c'est plus cher qu'en France, hein. De toute façon, les gars, c'est plus cher qu'en France. Moi, j'ai mon pote Aladdin. Bah, tiens, Aladdin, tiens. Il a acheté la Slim. Merde. Attends. La Slim, donc avec lecteur CD, les gars. Lecteur CD, je crois. Attends, combien il l'a acheté? Je crois qu'il l'a acheté 2500, il me semble. Attends. Ouais, je crois, attends, en euros, ça faisait 650 euros, je crois. Grosso modo, hein. Grosso modo, faudrait que je lui redemande. Donc c'est plus cher qu'en France parce qu'il y a les taxes douanières. Et encore, enfin là, ils ont magouillé, hein. Ils ont magouillé parce que les taxes douanières, on n'est pas loin du 100%, hein. C'est-à-dire, ta PS4 qui vaut, donc on va dire, 500 balles, bah elle arrive normalement, elle vaut 1000 balles. Voilà, après tu mets une marge de magasin et tout, enfin elle est à un prix complètement pété. Mais pour qu'il reste à peu près dans le marché... je pense que voilà, les mecs ils arrosent les douaniers et y a pas de taxes ou très peu, quoi. Oh bah, Foxhound, ça joue à quoi? Ça joue qu'à des trucs. Ça joue qu'à des trucs de noob, hein. FIFA, Call of, enfin la merde mainstream, hein. Voilà, enfin mon pote Aladdin, non. Mais les Tunisiens, les gamers tunisiens, 99% ils jouent à FIFA, tu sais, ils achètent des PlayStation pour jouer au foot, hein. Ils jouent au foot, ils en auraient rien à branler. Limite, tu leur files la 32X avec FIFA, ils sont contents pareil, hein. Salut mon Steph. Alors, Retro Amano, c'était top, ouais, merci mon Steph. Bah là, normalement, on jouait à Beyond Galaxy, mais c'était tellement de la merde. On l'a viré, puis là, on a lancé Chasm The Rift, que j'ai pas eu le temps d'essayer encore. Donc là, c'est bien. Ça permet de le découvrir avec vous en live, qui est une espèce de Quake-like. Ça manque un peu de recul, je trouve, dans la sensation du shotgun, là. Alors. Vin, c'est terrible. Alors, tu parles de quoi? Du jeu ou des Tunisiens qui jouent au foot? Oh merde, je suis mort. Je l'ai même pas vu. Ah, il était de l'autre côté, là-bas. Ah non, mais les gosses... les gosses en Tunisie... c'est le foot, hein. Point barre, hein. Point barre. Le foot ou Fortnite? Point barre. 650 balles, 3 salaires en Tunisie. Ouais, je crois que le SMIC... Bah oui, bah même 4, hein, je crois. Hein. Parce qu'attends, 650... Ouais, on va là. Ah, 2200, voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Tu dises, il a combien le SMIC, là? Allez, on va dire 500, on va arrondir. Bah, ça fait 4 SMIC et demi. À peu près, les gars. Voilà, grosso modo. Voilà. Alors attends, redémarrer, voilà, très bien.
Voilà. Faut voir si on n'a pas un autre jeu vite fait qu'on peut essayer là. Vas-y là, vite fait là. Alors, bah on va vite quitter là. Alors, un petit jeu rapide là. Remarque, ouais, pareil, ouais, Call of, ouais, enfin, ça c'est les jeux mainstream, hein, tu vois, mais encore chez nous en France, on a une culture vidéoludique. Ici, je dirais pas, voilà, ils ont pas de culture vidéoludique, mais ils ont pas eu accès comme nous à l'époque aux magazines, tu vois, les Player One, les machins et tout, donc ils connaissent un petit peu moins, tu vois. Après, il y a des mecs calés, tu vois, comme, comment il s'appelle, là, mon spout à Tunis, tu vois, quelques-uns, bien sûr. Oui, bien sûr, il y en a, les gars. Mais c'est très loin d'être la majorité, quoi. Alors, ah oui, le Mayhem Brawler, là. Ouais, j'ai plein de jeux, regardez, dans la One X, là, j'ai installé un paquet de jeux, les mecs. Ah, le projet Warlock, il est cool. Les gars, il est cool. Jouez, bonne soirée, Bibac. Ouais, ça marche, moi. Tiens, je vous mets vite fait, c'est pareil, c'est du FPS old school. Mais franchement, il est super. Là, je joue aussi, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Mais je sais que les gosses, ici, enfin, ils ont pas de culture vidéoludique. C'est Fortnite, FIFA, basta, rien à foutre, hein. Mac de jeu. Alors, bah, nous, il reste un score game à Sfax, là. Voilà, de mon poteau Ali, là. Il vend surtout. Alors, il fait des réparations. Il pose des puces, des patchs. Les consoles, je sais pas s'il les vend. Enfin, en occasion, il peut les rentrer. Il vend des manettes, il répare des manettes. Il va vendre des copies de jeux aussi. Voilà, genre, même tu ramènes ton disque dur. Enfin, voilà, il va faire ce genre de truc. Mais sinon, bah, on a Carrefour. On a Carrefour, par exemple. Ah, attends, ouais, voilà, hop, je vais choisir le niveau, là. Toc. Bah, tiens, le niveau des égouts, mon Riddick. Ouais, ouais, le dernier score game, il a Sfax. T'inquiète, il a pas payé la licence, hein. Ali, il en a rien à foutre, hein. Parce qu'il y a pas de copyright en Tunisie, les gars. Ah, regardez, il est cool, hein. Là, franchement, le Project Warlock, franchement, c'est sympa. Si vous aimez les FPS rétro, les mecs... Ça, je vous le recommande, le projet Warlock, c'est vraiment très sympa, les gars. Micromania, non, on n'a pas. Après, voilà, tu vas à Carrefour. Nous, je sais que tu vas à Carrefour, à Sfax. Ils vendent les Xbox Series X. D'ailleurs, ils les vendent 2500 balles. Ils les vendront jamais. Mais jamais ils vendront les Series X. Et 2500 dinars, ça fait 700. En arrondi, ça fait 740 euros. Jamais ils les vendront. Tu vas à Carrefour, alors t'as des jeux Switch, t'as des jeux PS5, voilà, pas de problème, il y a aucun jeu Xbox. Mais aucun, les gars, aucun. Donc comment tu veux qu'ils veulent ils vendent des consoles? Alors attends, ouais, je sais même plus comment on joue. Alors attends, ah voilà, c'est bon, j'ai ouvert le truc là. Donc ça, ouais, c'est très sympa, hein, les gars, le projet Warlock. J'ai dû le payer 5 balles hein, sur Xbox là. Et là sur Steam, c'est le genre de truc, vous pouvez le payer même à 1 ou 2 euros. Hein. Sur Steam, c'est encore moins cher. Ouais, la série Z, je l'avais acheté sur Rakuten, Nijempo, ouais. 180 balles de mémoire. Avec la boîte. Voilà. Non, très content, hein, très content de mon achat. Ah, tu connaissais pas Oscar? Il y a même le 2, hein. Je crois, sur PC, je crois qu'il y a même le 2. Project Warlock 2, c'est très sympa. Ah, par contre, niveau level design, c'est très carré, hein, t'as vu, c'est toujours angle droit. Hein. C'est très très à l'ancienne. Hein. Jette les consoles grande surface, au bled, en plus dans les petites boutiques, faut connaître les gars. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Ok. Bon, bah c'est bien. Attends, est-ce que j'ai un autre petit jeu à vous montrer, sinon, là, rapide, là. Le Curse Calcilla, vous le connaissez, les gars, là. Bon, Power Slave, c'est excellent. Les Skyforce, ouais, Super Cyborgs. Ah oui, ça, je l'ai pas lancé encore. Vous voyez, j'ai le Callisto Protocol, il est là. Je l'ai pas lancé encore. Bah, le Tomb Raider Trilogy, voilà, il est là. Talos Principle, c'est excellent. Ça, c'est un des meilleurs jeux de puzzle qui existe, les mecs. Hein. Il est vraiment excellent. Voilà, j'ai les 3 Turok. Les 3 Turok qui sont installés là. Wanted Dead, les gars, va falloir qu'on le stream celui-là. Wanted Dead, là. Kada, il m'avait offert le CD. On va le streamer. Le Yoku, c'est excellent, les mecs. Hein. Yoku Island Express. C'est un petit Metroidvania Flipper. C'est une combinaison qui paraît improbable et c'est trop trop bien. Ça, c'est trop trop bien, les gars. Le Yoku, on fera un stream spécial sur le Yoku là. Callisto, ça se fait pas foufou, ouais. Ouais, faut que je le fasse. Dès que j'aurai un trou, je vais le lancer, ouais. Trop de jeux, pas assez de temps, c'est exactement ça, Herbert. C'est exactement ça. Fresh Blood est incroyable aussi, je connais pas ça. T'as Project Warlock 2 en accès anticipé sur Steam. Ah ouais, d'accord. C'est bien ce qui me semblait qu'il était sorti ou il allait sortir, ouais.
C'est pas mal en fait, internet, je comprends pas trop ces mauvaises notes. D'accord, bah faudra qu'on voit ça, Nabet. Hein. J'ai le CD, hein, voilà, un jour on va le streamer là. Nijempo, la PS5, combien en Algérie? Bah en Algérie, je sais pas. Hein. En Algérie, je peux pas te dire. Voilà, là tu vois, je sais que mon pote Aladdin, la Slim, il l'a acheté 650 balles, enfin l'équivalent. Voilà, avec lecteur. Hein. J'ai dû m'absenter, alors ça donne quoi ce jeu des jeux? Non, c'est pas ouf, on l'a viré. Hein. On l'a viré, Loïc, hein, c'est pas. Pff. Pas génial, le Beyond Galaxy. Callisto, 10-12 heures de mémoire pour un premier run, d'accord, ouais. Ouais, c'est dans la moyenne, quoi. La suite de Supplice. Ah ouais, Supplice, c'était un FPS néo-rétro, si je crois. Crypt of Serkan King, il est bien, je connais pas. Ah, ça, c'est vraiment du. Eh, Star Fox, eh, ça se paye 2-3 euros, hein, pas plus, hein. Pas plus, c'est du FPS qu'on aurait pu avoir sur 3DO. C'est très très old school, c'est très répétitif, c'est limite c'est un jeu mobile. Hein. C'est un jeu mobile. Moi j'ai bien aimé, mais c'est jeu mobile. Hein. C'est un jeu mobile, hein. Crypt of Serpent King, faut pas le payer une fortune. Hein. T'as rejoué à Demon's Crest dernièrement? Oh ouais, oh, j'ai dû le refaire il y a 3-4 ans, c'est pas très très vieux. Pas très très vieux, on va le. Oh ça, je vais le review de toute façon. Je vais le review. Alex, je te le conseille, ouais. Duke Nukem Live, Banzai, il a streamé. Alors attends, c'est lequel, Alex? Attends, je remonte là. Le Fresh Blood, d'accord, ouais. Ok. Et c'est sur. Mais c'est que sur PC, Alex? Ou c'est sur console aussi? On a trop de jeux aujourd'hui, à l'époque, on a deux jeux, on le pense. Ouais, mais c'est ça, ouais. On joue une heure ou deux et on change, mais c'est ça, Foxhand, ouais. Ouais. Mais encore, moi, le truc, PC, d'accord. Ouais, mais moi, j'aime pas trop jouer sur PC, t'sais. Enfin, à part quelques exceptions, tu vois. Mais en fait. Non, alors Mindsize, j'ai désinstallé, les mecs. Oui, je l'ai continué, Bruno, Mindsize, mais je l'ai désinstallé. Il m'a saoulé, j'ai joué une heure et demie de plus. En fait, le jeu est pas mauvais, hein, il est pas, mais c'est très 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 classique. Très très classique, très conventionnel, on est vraiment dans la moyenne des Metroidvania. Pff, voilà, le deuxième niveau, on change de planète et tout, j'ai pas aimé la direction artistique. C'était trop sombre, donc du coup je l'ai viré. Tu vois, et ça c'est ce que j'allais dire. Un jeu aujourd'hui que je vais jouer, que j'aime bien, je vais prendre le temps de le finir. Mais tu vois, un jeu même moyen OSEF comme Mindsize, c'est même pas qu'il est pas mauvais. Mais on va dire que c'est moyen, c'est du vu, c'est revu. J'ai plus le temps pour ces jeux-là. J'ai plus le temps, donc du coup, je vire. Voilà. Après, je peux tomber sur des jeux moyens OSEF, et là, je suis captivé, puis j'y joue. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je me force plus, les mecs. Avant, je mettais un point d'honneur à finir tous mes jeux, mais maintenant, non. Plus le temps, les mecs, plus le temps. Plus le temps, les mecs. Donc, un jeu que je me dis, ouais, je vais me forcer à y jouer pour arriver à la fin, non, je fais plus ça, les mecs. Je le fais plus, ça. J'y joue 1 heure, 2 heures, 3 heures, et si ça me saoule, je passe, je zappe. Y a trop de jeux en attente derrière. Pas de temps à perdre, c'est ça, on est. Pas de temps à perdre. Si on était à la bonne vieille époque, qu'on aurait genre 8-10 jeux par mois et encore, je dirais, bon, bah là, on peut se permettre, on peut creuser, tu vois. Mais là, non, j'ai plus le temps, les mecs. Pense à la sortie de la Switch 2, je vais m'acheter ma première. Oui, la première, et arrêter de jouer sur Steam, ouais. Ouais, en plus, c'est la console qui a les jeux que je kiffe, ouais. Ouais, mais alors après, mais c'est pas. Hey, tu sais, moi, regarde. Là, regarde, je sais pas, mettons t'as la Switch 2 à sort l'année prochaine. La Switch 1 va mettre du temps à décoter, hein. Parce que tu sais, les consoles Nintendo, voilà, ça décote. Ça décote, mais pas vite, hein. T'avais fait Megaman 11, c'est une merde. Tu te souviens pas, hein, Seb? On me l'avait offert à la Castle Geek, en CD, en PS4, on l'avait streamé. Au bout d'une demi-heure, je l'ai viré, je dis c'est une merde. Et d'ailleurs, j'avais fait la démo, hein, la démo m'avait pas plu non plus. Et puis du coup, c'est Fixo qui l'a. Je l'ai envoyé chez lui, je l'ai offert. J'avais montré le CD là. J'ai dit, les gars, allez, j'en veux plus de cette daube. Le premier dans le chat qui le veut, je lui donne. Ça a mis 5 minutes quand même. Hein. Fixo, bah, les gars, personne voulait. C'est sûr, personne. Bon, allez. Ouais, des GGX, ça, allez, je veux bien t'en débarrasser. Voilà, je l'ai envoyé à Fixo, il est chez Fixo maintenant. Non, j'ai pas aimé, mes gars m'annoncent, non. Non. Non, j'ai pas aimé. Finir Majora en stream, on rigolerait bien. Mais. Oh non, 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 non. Non, non, je retouche pas à Majora, moi. Non, 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 je retouche pas à Majora's Mask. Non, non, non. Il est là, voilà, il est là, il est au-dessus, il est là, c'est bien, ok, il est là. Il est dans la collecte, il est mint. Les gars, il est 10 sur 10, hein. Niveau état, il est 10 sur 10, mon Majora's Mask. Je n'y retouche plus. Et le pire, j'avais regardé un gameplay, je crois que c'était l'an dernier. J'ai dit, allez, tiens, je vais essayer de me le remémorer. Parce que je l'avais fini, hein. J'ai dit, allez, je vais essayer de me le remémorer un peu. Voir si à tout hasard, je ne changerai pas d'avis. Ah, les gars, et j'ai regardé 5 minutes de gameplay, j'en pouvais déjà plus, quoi. Je dis, non, 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 non. Je retouche pas à ça, quoi. La torture, j'ai dit que ça. Oh, non, 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 j'y vais pas. Là. Majora, faut que je le finisse aussi. Ah, non,
Alors, je l'ai détesté à l'époque, celui-là. C'est le pire Zelda que j'ai fait, celui-là. Lui, et puis le bleu et le rouge sur Game Boy, là. C'est la paire de merde, là. Hein. De Capcom, là. Merde. Oracle. Oracle of Season et Edge. J'en ai gardé un, j'ai le rouge, là. Je sais plus lequel. Je crois que c'est Season. Le Edge. Je l'avais, le Edge, les mecs. Et vers la fin, fallait faire une danse avec les Gorons. Mais au pixel près, les mecs. Au timing près, à la milliseconde près, quoi. J'ai vu ça, j'ai éteint la Game Boy, j'ai enlevé la cassette, j'ai dégagé le jeu. J'ai dit, je veux pas garder ça chez moi, ça jarte. Voilà, le rouge, je l'ai gardé, mais bon. On va dire pour la collecte. Mais pff, de la daube, hein. Pas aimé du tout, hein. Voilà, Majora, détesté. Bleu, le rouge et bleu, détesté. Y a pas beaucoup de Zelda que j'aime pas, mais alors ceux-là... Non. Season, j'avais aimé celui-là, ouais. Celui-là, il passe. Bon, alors, le Edgy, c'était de la merde. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'était de la merde. Ah, le Twilight, j'adore. Hein. Moi, le Twilight, c'est peut-être mon Zelda 3D préféré. Hein. Ah, il est excellent. Hein. Alors, j'avais bien aimé Ocarina of Time. Hein. J'avais adoré à l'époque. Je l'avais bouffé et tout. Hein. Voilà. Maintenant, on l'avait relancé. J'ai du mal. Hein. L'Ocarina of Time. Pff. Alors, c'est même pas qu'il a vieilli graphiquement, bien sûr. C'est pas ça qui me gêne. Même le gameplay, tout c'est, je sais pas, c'est... Il démarre, il fait chier, t'es dans la forêt Kokiri, tu me casses les couilles, quoi. Ça m'a pété les couilles. Ah, Minish Cap, il est excellent. Ah, je l'ai adoré, Minish Cap. Mon Zelda préféré, du coup, bah, c'est le 1, hein. Moi, je reste rétro, vieux con, hein. Faudrait que je fasse un top Zelda, un jour. Top Zelda, flop Zelda, tiens. Mais mon Zelda préféré, ouais, ça serait, c'est le 1 sur NES, hein. Voilà, je sais que beaucoup disent, ouais, il a vieilli, machin et tout. Oui, mais enfin moi ça reste mon Zelda préféré quoi. Voilà. Je parle en 2D, si on parle des Zelda en 2D. Ouais mais mon top 3 ça va être genre j'en ferai une vidéo un jour peut-être mais ça sera Zelda 1. Zelda 1 en premier sûr. Puis ensuite alors je sais pas deuxième, troisième place, je sais pas réfléchir mais on aurait Zelda 3 de la SNES bien sûr et puis le Zelda Game Boy. Voilà. Après voir lequel je mets en 2, je mets en 3 mais ils sont excellents. Hein. Ouais, non, mais enfin, Link to the Past, il est exceptionnel. Exceptionnel, hein, franchement, ouais. Et en 3D, enfin, Zelda 3D, moi je mets Twilight devant. Enfin, hein, moi j'adore. Hein. Twilight en premier, après, je sais pas. Bah, l'Ocarina, j'en ai un très bon souvenir, mais j'ai eu du mal à me remettre. Le Wind Waker, j'avais détesté le Wind Waker. Puis je l'avais refait, puis finalement, je l'ai fini, je l'avais mieux apprécié. Il est bien, mais il est vraiment spécial, hein, Wind Waker. Et j'ai essayé de le refaire. C'était peut-être 2-3 ans, puis bon, il m'est tombé des mains. Alors, le début, il fait chier. Le début de Wind Waker, c'est vraiment casse-couille, quoi. Jusqu'à l'infiltration, là, de la forteresse des gobelins et tout. Après, ça va. Mais alors, putain, les ouais, 2-3 premières heures de jeu, ça fait vraiment chier, quoi. Trop de phases marines. Moi, ce que j'avais aimé, c'est mon type, c'est t'sais, avec les cartes au trésor pour trouver les trésors cachés. Ça, j'avais bien aimé ça. Ça, c'était cool. Puis c'était frais, quoi. C'est l'aboutissement des Zelda 3D pour moi, le Twilight Princess. Ouais, moi j'ai bien aimé. Hein. Puis les Dark et tout, j'ai adoré l'ambiance. Le Twilight, moi j'adore, hein, j'ai adoré. Vraiment top. Hein. Et même là, je suis sûr, on le remet aujourd'hui, là. Enfin, graphiquement et tout, je pense qu'il a bien vieilli. Hein. Pas de problème. Hein. Ah oui, Zelda 2, ouais. Je l'ai eu à l'époque. Hein. Il était ultra différent du 1, c'est ce qui m'avait choqué à l'époque. Mais j'ai bien aimé. J'avais terminé, je connaissais par cœur. Alors par contre, autant Zelda 1, je me le refaisais, tu vois, je le connais par cœur, je me le refaisais au fur et à mesure des années, mais le Zelda 2, non. Je l'ai fait à l'époque, je connaissais par cœur, donc là, je m'en souviendrai, mais par exemple, le tout dernier palais, faut vraiment connaître par cœur le routing, là, je serais incapable de le refaire, là, tu vois, parce que là, j'ai oublié. Mais j'avais bien aimé, mais lui, par contre, ça fait longtemps que je l'ai pas reterminé, finalement. Ouais. Comme t'as la démo, attends, Zelda, la Switch, ouais, monde du vide. Oh non, mais Breath of the Wild, moi, c'est une arnaque, hein. Je peux pas aimer. J'ai failli rechkit au début, c'était vraiment de la merde. Hein. Le début de Breath of the Wild, c'est vraiment de la merde. Déjà, ça démarre, t'en as pour 20-30 minutes de tuto, là, à récupérer les bombes, les machins. En fait, ils te donnent tout d'un coup, au début, t'as les tutos pour apprendre à jouer avec. Ensuite, ils t'envoient au village, machin et tout. Oh, et sur la route du village, j'ai failli dropper le jeu. J'ai dit, c'est ça Breath of the Wild? J'ai dit, mais c'est quoi, c'est ça cette merde? Après, par contre, voilà, quand il y a la quête des 4 créatures et tout, j'ai dit, voilà, là, ok, c'était bien. Mais qu'est-ce que c'est vide? Qu'est-ce qu'on s'emmerde?
à trouver là, leur putain de graines de Kourougou de mes couilles. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a branlé? Oh, puis alors ce système d'armes qui pète. Oh, j'en pouvais plus, quoi. Puis avec la putain de Master Sword qui se vide de son énergie, faut attendre 5 minutes pour qu'elle recharge. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Limite que t'as un bâton de bois, il casse au bout d'un moment, y a pas de problème, ça fait sens. Mais putain, tu chopes une lance en acier, tu lootes ça sur un mec et il pète au bout de 10 coups. Non, faut arrêter de déconner. Un peu de cohérence, merde. Kukichi, je suis d'accord. Non, mais en fait, j'ai compris, Nintendo, il voulait pousser le joueur à toujours, en fait, renouveler son parc d'armes. Et en fait, varier le gameplay. Tu vas jouer avec une lance, avec une épée, avec un arc, avec machin. Donc je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Pas de problème. Mais alors putain, enfin c'est maladroit quoi. L'exécution, elle est ultra maladroite. Même on reprend les gars, on reprend Légende de Thor sur Mega Drive, qui a un système d'armes qui casse. Donc c'est frustrant. On a notre poignard qui est illimité, très bien. Ensuite on a les épées, les arcs et flèches, tout ça. Tout ça c'est à usage limité. C'est frustrant. Mais dans Légende de Thor, il y a des secrets et on peut trouver ces armes annexes, l'épée Oméga, l'épée de feu. Quand tu l'as en niveau, enfin du coup en illimité, ouais. Et puis l'arc et flèche explosif quand tu l'as en illimité, ah mais là tu défonces le jeu, là c'est un kiff total. Et puis là t'as plus besoin de t'emmerder avec des armes qui cassent quoi. Tu vois, c'est vrai qu'on reconnaît moins le Zelda tel qu'on le connaît. C'est pour ça que Kingdom machin, là, rien à foutre, hein. Mais rien à foutre. Hein. Puis avec le système d'amalgame, là, assembler les objets, tout, mais rien à branler, quoi. Alors même si on m'a dit que effectivement on n'est pas obligé de maîtriser cette caractéristique de gameplay pour finalement terminer le jeu, ok, très bien. Mais enfin, voilà, c'est, enfin moi, il m'intéresse pas, tu vois. C'est, ouais, non, mais ils ont trop casualisé le truc, moi, je suis complètement d'accord. Alors qu'ils élargissent pour plaire aujourd'hui aux enfants et tout, pas de problème, je veux bien, enfin, moi, je me retrouve pas dans cette proposition. Voilà, après, voilà, moi, je veux bien reconnaître que... Il y en a qui adorent et tout machin, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais moi ça m'intéresse giga pas quoi. Voilà. Alors. Mécano Simulator, c'est trop ça, ouais. Ouais. Oh non, moi ça m'a saoulé. Ça va être sympa, style Link's Awakening et mélange de Tears, je l'achète demain. Bah écoute, hein, Seb, hein, tu nous donneras ton avis, hein. De toute façon, j'ai pas de Switch, donc voilà. Oh, puis il m'intéresse pas spécialement, donc. Mais c'est bien, s'il y en a parmi vous demain qui achètent le Zelda, les mecs, bah vous nous donnerez. Donnerai votre avis, les gars. Allez, on va faire un petit raid, les gars. Donc, demain, on va essayer Wild Bastard. Oh, celui-là, c'est pareil. Hein, je l'ai pris pour la DA. Bon, par contre, c'est un FPS. Donc, ça risque d'être un peu plus amusant quand même. Donc, demain, on va essayer ça. Et puis, vendredi, on fera TCL, les mecs. On va brancher la Nomade. On va jouer à TCL, je pense. Alors, attends, bouge pas. On va aller voir si on a un copain qui stream. On va faire un petit raid. Voilà, un petit raid. Alors. Oh bah là, il y a du monde là. Oh putain, alors attends. On va faire un petit raid. Alors attends, vas-y, je veux couper le son là. Voilà, ok. Alors, on a Jambon, ok. On a Delenia, on a Vincent, on a Marco. Ouais, on a un. Attends, on a un. Super Soussou, on a Requin. Alors attends. On va aller chez Vincent. On va aller chez Vincent, les gars, tiens. Allez. Voilà, ça va changer un peu. On va aller chez l'ami Vincent, les mecs. Bah voilà, il est là. Allez hop, impeccable. Voilà, on va préparer le raid. On va aller faire un petit coucou à notre Vincent. Voilà, les gars. Bon, bah, hein, concernant le Beyond Galaxy. Enfin, Beyond Galaxy Land, avis aux amateurs. Je pense qu'on sera tous d'accord. C'était pas ouf. C'était pas génial. Donc, rendez-vous demain. Hein, même endroit, même heure. Hein, Twitch, 18h. Les gars, bisous à tous. Passez une bonne soirée. Je vous envoie chez l'ami Vincent. Et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.